soit f, la fonction définie par f de x égale p de x sur x au carré plus 7x plus 10, où p est une fonction polynôme. Laquelle de ces courbes peut être sa courbe représentative Et on nous dit que les droites en pointillés sont les asymptotes, et on doit choisir une de ces quatre représentations graphiques qui sont ici. Alors, comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté. Ou bien si tu préfères, je vais commencer à le faire, et puis si à un moment donné tu te sens inspiré, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à continuer de ton côté. Alors ici on a une fonction rationnelle dont on ne connaît absolument pas le numérateur, par contre on connaît son dénominateur, et ça du coup ça va nous permettre de déterminer déjà le domaine de définition de cette fonction. Donc pour ça il faudrait que j'arrive à déterminer les valeurs de la variable x qui vont annuler ce dénominateur, et donc je vais le factoriser. Alors, il faudrait que je trouve deux nombres dont le produit est égal à 10 et dont la somme est égale à 7. Alors, ici, je peux prendre 2 et 5, hein, puisque 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 plus 5, ça fait 7. Ce qui veut dire que f, en fait, je peux la réécrire comme ça. F de x, c'est p de x divisé par le polynôme qui est au dénominateur et que je vais factoriser comme ça. x plus 5 facteur de x plus 2. Et donc les deux valeurs interdites, deux valeurs qui annulent le dénominateur, ce sont les valeurs moins 5 et moins 2. Donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels privés de moins 5 et de moins 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il y a deux cas possibles. Soit on a des asymptotes verticales en ces points-là, qui auront pour équation x égale moins 5, et x égale moins 2. Deux asymptotes verticales possibles. Ou alors, ça peut être aussi des valeurs dans lesquelles la fonction peut être prolongée par continuité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Imaginons, par exemple, que la fonction f soit prolongeable par continuité en moins 2. Eh bien, ça voudrait dire que p de x peut être factorisé par le polynôme x plus 2. En fait, f, dans ce cas-là, s'écrirait comme ça, f de x, ça serait x plus 2 facteur d'un autre polynôme que j'appelle q ici. Et donc au dénominateur, on aurait x plus 5 fois x plus 2. Et dans ce cas-là, on pourrait simplifier ici, x plus 2 par x plus 2, au numérateur et au dénominateur. Et du coup, on obtient une expression de f qui permettrait de prolonger par continuité la fonction dans la valeur x égale moins 2 à partir de cette expression-là, q de x sur x plus 5. Voilà, donc pour résumer, on peut avoir dans ces points-là des asymptotes verticales ou des points où la fonction n'est pas définie mais peut être prolongeable par continuité. Alors, on va regarder maintenant les propositions qui nous sont données. La première, alors ici, on a une asymptote verticale. Alors, je vais la tracer ici peut-être pour bien voir. C'est cette droite-là. Cette droite-là, elle a pour équation x égale 2. Ce n'est pas ce qu'il nous faut, puisque les asymptotes verticales possibles, ce sont des asymptotes d'équation x égale moins 5 ou x égale moins 2, une de ces deux-là. Donc en tout cas, pas cette asymptote-là. Donc ça, je peux la barrer, cette possibilité-là. Ensuite, ici, alors, on a deux asymptotes verticales. Ici, il y a celle-ci qui a pour équation, comme tout à l'heure, x égale 2, x égale 2, et celle-là qui a pour équation x égale, 5, x égale 5. Donc là aussi, ce sont bien deux asymptotes verticales, mais ce ne sont pas les mêmes, hein, ce n'est pas celle-ci. x égale moins 2 et x égale moins 5. Donc ça, je peux la barrer aussi. Ensuite, cette courbe-là, la courbe C. Donc on a une asymptote verticale qui est ici, c'est celle-là. Voilà, et son équation, c'est x égale moins 2. x égale moins 2. Donc ça, c'est pas mal, ça correspond à un des cas possibles pour nous. Et puis on a ici un point où la fonction n'est pas définie, mais où on peut la prolonger par continuité. C'est ce point-là ici, qui a pour abscisse 5. Donc c'est intéressant, ça correspond... Presque à ce qu'on veut, sauf que nous, on pourrait avoir éventuellement un, un point où la fonction n'est pas définie, mais prolongeable par continuité, qui est x égale moins 5, pas x égale 5. Donc ça, ça ne va pas non plus pour nous. Alors, examinons maintenant la dernière possibilité. Donc on a ici deux asymptotes verticales. La première, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est celle-là. Voilà. Alors, la première, son équation, c'est x égale moins 5. X égale moins 5. Et la deuxième, celle-ci, c'est x égale moins 2. Donc ça, c'est possible. D'après ce qu'on a dit, on peut avoir deux asymptotes verticales d'équation x égale moins 5 et x égale moins 2. On est dans ce cas-là. Donc cette courbe-là peut être la courbe représentative de notre fonction f. Voilà, donc je vais sélectionner celle-là. Et bon, c'est intéressant de remarquer qu'en fait, ça correspond au cas où le polynôme p est au numérateur, donc celui-ci, eh bien il ne peut pas être factorisé ni par x plus 2 ni par x plus 5, parce que sinon on aurait un prolongement par continuité dans un de ces deux points. Voilà, à bientôt